C'est une question qui revient de plus en plus. Est-ce que Kylian Mbappé est vraiment compatible au système de jeu de Luis Enrique? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on n'est pas passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que Kylian Mbappé est vraiment compatible au système de jeu de Luis Enrique? Parce qu'on l'a vu face à Toulouse, lorsque Kylian Mbappé est entré, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Luis Enrique, que ils ont perdu un peu de maîtrise technique. En première période, il y avait une maîtrise technique sans appel, une domination sans appel en première période. Sauf que c'était une domination stérile. Il y avait très peu d'occasions franches. Il y avait très peu d'occasions franches. Du coup, donc, quand Kylian est entré, quand il est entré, il a apporté de la vitesse, de la percussion, et c'est lui qui a causé au pénalty, un pénalty transformé. Du coup, on se pose la question, est-ce que Kylian est compatible? Parce que lui, c'est vrai qu'il dit, en deuxième période, lorsque Kylian est entré, ils avaient beaucoup moins le contrôle du ballon. Ils avaient beaucoup moins le contrôle du ballon. Moi, je pense que Kylian, son jeu, c'est la vitesse. Et on a vu que le football de Luis Enrique de possession, c'est bien, mais parfois aussi, tu dois amener un peu de vitesse pour déstabiliser les défenses. Parce que le tiki-taka là, c'est déjà trop prévisible. Même Guardiola a dû se réadapter parce que lui-même, il a compris que ce jeu est trop prévisible. Les équipes commencent déjà à contrecarrer ce jeu. Du coup, donc moi, je pense que c'est au bénéfice de Luis Enrique de s'adapter à Kylian aussi. Donc, pour moi, oui, les deux doivent s'adapter. Kylian doit aussi s'adapter au jeu de Luis Enrique. Et Luis Enrique aussi doit aussi faire l'inverse parfois. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est compatible au système de jeu de Luis Enrique? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont aussi à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.